Je m'appelle Nathalie, je suis danseuse au sein de la compagnie Malandin Ballet Biarritz. Et donc je me demandais qu'est-ce qui se passe quand on jette sa bouteille en plastique. Donc tous les jours, nous on boit beaucoup d'eau, obligé. Et donc quand j'arrive à la maison, ben, je la jette, je la trie. Et donc je voulais savoir ce qui se passe à partir de ce moment-là. La donne ? Donc aujourd'hui, on est où exactement ? Alors on est sous le centre de la LUC, qui est un centre de tri de, à la fois de collecte sélective et de déchets industriels. D'accord. Et on va suivre le parcours d'une bouteille de plastique. Celle-ci alors ? Celle-ci. D'accord. Donc elle va arriver par un camion comme celui qui arrive ici. D'accord, ouais. Et elle va passer d'abord sur un pont bascule. On va peser les entrées. Mm-hmm. Et bien sûr, on va identifier ce qui rentre. Ok. La bouteille est dans la balle. D'accord. La bouteille est dans la balle et chaque balle, on peut estimer qu'il y a à peu près 30 000 bouteilles, ouais, par balle. C'est énorme. Hein, c'est énorme. Heureusement qu'il y a des outils automatisés pour les trier. Ah, c'est génial. Je sens que ça vous prend, ça vous plaît de faire ça. C'est mon métier. Oui. Puis on sert à quelque chose. Oui, voilà, on sert à quelque chose. C'est pour ça que c'est bien. Ça vaut le coup. Hein. Oui. Donc il y a des gens qui disent que tout n'est pas recyclé. Est-ce que c'est vrai ? Tout ce qui respecte les consignes de tri est trié et recyclé. Après, toutes les erreurs de tri commises par les poses usagers, par les producteurs, effectivement, il faut les envoyer vers des filières d'élimination. Mais c'est pour ça qu'on trie. Ouais. Le tri, il sert à séparer les différents flux. Mais bien sûr, si on prend un sac d'emballage quelqu'un a jeté, il a pu se tromper. Donc on est là pour le corriger. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des gens dans les cabines pour s'assurer de la qualité, parce que après les filières qui vont vouloir recycler les produits ont besoin d'une qualité de produit en entrant. D'accord. Si je jette une bouteille dans un sac poubelle, où est-ce qu'elle va ? Aujourd'hui, sur le syndicat Biltagarbi, elle va aller probablement sur un centre d'enfouissement. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc l'eau du robinet, elle est aussi très bonne. Et elle est beaucoup plus environnementale que l'eau en bouteille. Bon, l'avantage aussi, c'est quand on recycle une bouteille en plastique, et bien on n'utilise pas du pétrole pour la fabriquer. Ouais, donc on économise aussi les matières premières. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est impressionnant. C'est une super grande usine. C'est ingénieux. C'est ingénieux. C'est super... Oui, je ne savais pas du tout que ça se passait comme ça, donc franchement là j'ai appris beaucoup de choses et je suis contente d'avoir déjà trié depuis quelques années.